Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour ce premier séminaire du genre spécialisation sur les secteurs. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on commence par un webinaire sur la métallurgie et sa convention collective, ou plutôt ses conventions collectives complexes. Concernant l'ordre du jour, on fera d'abord une présentation rapide de Nibelis, qui nous sommes et quel est notre métier. Et ensuite, je passerai la parole à Muriel, qui se présentera par la suite, qui est l'une de nos juristes et qui vous parlera des spécificités de vos conventions, comme le maintien de salaire, les congés pour ancienneté, la prime d'ancienneté, le travail de nuit et les congés pour enfants malades. Si on commence par une présentation de Nibelis avec quelques chiffres clés qui sont très important, il faut savoir qu'on est une PME de 250 collaborateurs. Aujourd'hui, on accompagne 1500 sociétés clientes de toute taille et tout secteur d'activité. Sur nos 250 collaborateurs, la grande majorité, à peu près 70% de l'effectif, et de l'expertise à disposition de nos clients. C'est les consultants gestionnaires de paye dédiés, les équipes de juristes comme Muriel, ainsi que les chefs de projet qui vont analyser le réglementaire et mettre en place l'outil chez nos clients. On accompagne justement nos clients grâce à un réseau de bureaux. Tous nos salariés sont situés en France dans nos bureaux avec le siège à Levallois et puis également à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Aix-en-Provence, à Lyon et à Strasbourg. On a la chance d'avoir une croissance de plus de 20% par an ces 8 dernières années, ce que vous pouvez voir en chiffre avec l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi des clients qui nous rejoignent, 100 à 150 nouveaux clients chaque année qui démarrent leur paye, que ce soit en janvier ou même en cours d'année. On a la chance d'accompagner 120 000 utilisateurs. Vous remarquerez par rapport au nombre de sociétés, ça veut dire que ce ne sont pas que les experts de la paye dans les entreprises, mais également les managers et parfois les salariés qui sont impliqués dans les processus SIRH dans la solution Nibelis. Et puisque la paye, c'est un métier de contrôleur, nous avons la certification ISAE 3402 qui, pour vous, est la garantie des méthodes et des procédures en lien avec le monde de la paye. Et enfin, nous avons la chance de faire partie du palmarès Truffle 100, qui est le palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels français, ce qui récompense la volonté d'innovation de Nibelis. Concernant nos métiers, on en a deux. Le premier, c'est d'être éditeur de notre propre solution paye et SIRH en mode SaaS. On ne va pas commercialiser la solution d'une autre société, puisque les développeurs sont quelques étages au-dessus de nous en ce moment au siège de Nibelis. Et notre deuxième métier, c'est celui de prestataire de services, puisqu'on va accompagner nos clients au travers différents niveaux d'externalisation. Ça va de la mise à disposition de la solution qui permet de s'affranchir de la maintenance informatique, de la veille du légal et du paramétrage, jusqu'à l'externalisation totale pour les clients qui le souhaitent. C'est important de se dire que ce n'est pas une solution forcément d'externalisation, mais on va venir placer le curseur en fonction de votre besoin. En ce qui concerne l'offre Nibelis d'un point de vue solution, c'est une offre qui va regrouper la paye. Vous le voyez ici au centre de l'image, hein, c'est le cœur de l'offre avec tout ce qui est gestion de la paye, administration du personnel, mais aussi reporting avec entre 120 et 150 états qui sont préparamétrés. Et puis, on va retrouver autour de cette offre un SIRH qui est à construire à la carte en fonction du périmètre et en fonction du besoin de nos différents clients. Et pour ça, on va retrouver la famille talent avec la gestion de votre formation, la compétence et évaluation pour les entretiens, le recrutement et l'onboarding, c'est-à-dire la préparation à l'arrivée des collaborateurs. Une deuxième famille qui est le planning RH avec la gestion des absences pour décentraliser les demandes et les workflows de validation. La gestion de la présence, là c'est la collecte du temps de travail, que ce soit physique avec des badges ou virtuel avec du déclaratif sur l'outil. Et enfin la gestion des activités qui permettent d'éclater son temps sur différents codes projets ou codes chantiers. On va retrouver, on passe de l'autre côté de l'image, la famille pilotage avec les rapports légaux pour générer en un clic bouton votre BDES, votre bilan social, votre base de données économiques et sociales, ou encore le diagnostic de pénibilité et le rapport égalité femmes-hommes. On retrouve la simulation budgétaire pour faire des projections de sa masse salariale sur les exercices à venir et le décisionnel qui est un outil, on a encapsulé la technologie de Click, qui est un éditeur et qui permet de faire de la visualisation graphique, de la business intelligence. Et la dernière famille, le portail RH avec la gestion manager pour décentraliser des workflows comme l'initiation de l'embauche des collaborateurs, les données personnelles pour donner accès à l'outil aux collaborateurs. Ils peuvent notamment modifier leurs fiches salariées, mais également accéder à de l'information collective et individuelle. Et enfin, les notes de frais pour décentraliser les différents process. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'on est sur un environnement unifié. Tous les logiciels communiquent entre eux via la même base de données, ce qui fait qu'on a des contrôles de cohérence, on n'a jamais de ressaisie, on n'a pas besoin de faire des fichiers d'interfaçage entre les différents logiciels quand on a retenu ces différents éléments au périmètre Nibelis. En ce qui concerne le côté prestataire de service, je vous disais tout à l'heure, on va placer un curseur en fonction du besoin de nos clients et on va avoir la gestion autonome qui là correspond à une mise à disposition de la solution. On se charge toujours de la veille légale et conventionnelle et du paramétrage et vous gérez en toute autonomie votre process de paye. La gestion accompagnée, vous allez continuer à gérer votre cycle de paye, mais vous allez avoir à disposition un consultant dédié qui va vous assister dans l'utilisation de la solution Nibelis et qui va aussi répondre à l'ensemble de vos questions en lien avec la paye, le social ou le juridique. Et enfin, le dernier niveau de service, la gestion déléguée. Là, on est sur une externalisation du métier de payeur avec un consultant qui va réaliser les déclaratifs, les soldes de tout compte et qui va aussi réaliser l'ensemble des contrôles sur vos payes avant validation pour que vous puissiez éditer vos bulletins. Voilà, on peut avoir les différents niveaux de service et surtout on garantit ce qu'on appelle la réversibilité des services. C'est la possibilité de passer d'un niveau de service à l'autre sans changer de gestionnaire, sans changer d'interlocuteur dédié, mais tout simplement pour être souple, flexible et s'adapter à l'évolution de vos besoins au fil des années. On vous a mis ici quelques références sectorielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la chance de couvrir plus de 200 conventions collectives avec des noms connus dans le commerce comme Casa, Toys R Us, le Syntec avec Le Bon Coin, le monde de la métallurgie. Et vous reconnaissez ici Photomaton, Terraillon. On l'aura plus tard comme exemple Acrelec dans l'industrie, Total, Tractebel, les cabinets de conseil ou encore le monde associatif avec le Secours Catholique, la fondation de Rothschild qu'on ne voit pas ici. Voilà, le but, c'est de vous montrer qu'on a certains clients qui sont notamment multi-sociétés, multi-conventions et que ce n'est pas du tout une problématique. Au contraire, la solution Nibelis gère parfaitement ces environnements. Je vous parlais de Acrelec. Ils sont au-delà de la métallurgie concernés exactement par le commerce de gros ou encore la convention Syntec. Chez Nibelis, on a un département qui est particulièrement important, c'est la matière grise, c'est les juristes. Muriel et ses collègues, ils vont avoir trois missions majeures chez Nibelis. La première, c'est de veiller et de décrypter l'ensemble des évolutions, de lire l'ensemble des revues, la revue fiduciaire, les éditions Tissot et toutes les autres. Ils vont aussi faire de la documentation à disposition des clients de Nibelis. Vous voyez les images sur le côté, ça va être le mensuel, les livres blancs. Là, récemment, on a fait le CSE ou la BDES. Et puis aussi, ils sont garants de la prise en compte en temps réel des évolutions, c'est-à-dire qu'ils sont donneurs d'ordre auprès de notre service développement pour que les développeurs soient bien au courant des différentes évolutions à mettre en place au bon moment. On parle par exemple de la défiscalisation des heures sup qui est tombée un petit peu au dernier moment dans les textes, mais que les juristes avaient identifié depuis bien longtemps. Et donc, le jour de la publication, on a pu activer le développement qui était déjà réalisé. Chaque année, en quelques chiffres, ça représente 27 conférences qui sont organisées dans toute la France sur des sujets tels que le CSE ou la BDES, ça correspond en général à nos livres blancs, 72 magazines d'actualité sociale et juridique, 5000 réponses apportées à nos clients, puisque les consultants répondent à vos questions, mais les juristes prennent aussi le relais pour vous apporter des réponses précises et vous donner les textes concernés. Et puis enfin, une veille légale et conventionnelle quotidienne, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la lecture de l'ensemble des revues. Je laisse maintenant la parole à Muriel pour vous parler des spécificités de la Convention sur la métallurgie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter la partie juridique de ce webinaire. Donc, on va commencer avec le maintien de salaire pour les salariés qui sont en arrêt maladie, accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle. Donc, vous savez certainement que la loi ou une convention collective peuvent imposer à un employeur de maintenir tout ou partie de la rémunération d'un salarié qui est en arrêt de travail et cette indemnisation arrive en complément des sommes qui peuvent éventuellement être versées par la sécurité sociale. Alors, au niveau du Code du travail, tout salarié qui est victime d'un accident ou d'une maladie va avoir droit à une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières qui sera versée par l'employeur. Pour bénéficier de cette indemnisation, il doit être pris en charge par la sécurité sociale. Il doit également être soigné en France ou dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Donc, l'espace économique européen, en fait, c'est les 28 États de l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Il faut également, pour bénéficier de l'indemnisation légale, envoyer son certificat médical à l'employeur dans les 48 heures. Il faut pouvoir justifier d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise et le cas échéant, si jamais ça arrivait, il faut accepter de se soumettre à la contre-visite médicale patronale. Donc voilà, donc ça concerne la plupart des salariés. Sont exclus les travailleurs à domicile, les saisonniers, les intermittents et les travailleurs temporaires pour lesquels d'autres règles s'appliquent. Donc voilà pour la partie code du travail. En ce qui concerne toujours cette partie-là, on a, avant d'avoir droit au maintien de salaire, un délai de carence de 7 jours qui va s'appliquer pour la maladie non professionnelle ou l'accident de trajet. En revanche, il n'y aura pas de délai de carence quand le salarié est en accident du travail ou en maladie professionnelle. Il faut savoir que quand on calcule le maintien de salaire, on va le calculer au titre du Code du travail à partir du pourcentage du salaire brut. Et ce maintien de salaire, on l'entend après avoir déduit les indemnités journalières de la Sécurité sociale et les indemnités journalières qui peuvent éventuellement être versées par un organisme de prévoyance. Et là, ce sera, on déduira la part des indemnités qui correspond au financement de l'employeur. Là, vous pouvez voir sur ce slide un tableau qui résume l'indemnisation légale, donc qui s'articule en fonction de l'ancienneté du salarié. En dessous d'1 an d'ancienneté, on n'a donc aucune indemnisation. Et à partir de 1 an d'ancienneté, on a une indemnisation qui se calcule à partir de 2 taux. Le premier, un taux de 90% et le second, un taux qui est de 2/3 de la rémunération brute. Entre 1 an et 5 ans d'ancienneté, les taux s'appliquent pour une durée de 30 jours et ensuite ces durées sont augmentées de 10 jours par tranche de 5 ans jusqu'à atteindre 90 jours pour chacun des 2 taux. Dans le secteur de la métallurgie, il y a des dispositions conventionnelles qui sont plus favorables que la loi, déjà parce que l'indemnisation conventionnelle s'ouvre sans délai de carence et pour d'autres raisons qu'on va voir tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne, par exemple, la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres, donc les droits, ils vont se calculer par année civile. Donc, à chaque 1er janvier, on a un nouveau compteur de droits à indemnisation qui s'ouvre pour le salarié. Comme on le disait, c'est une indemnisation qui s'effectue sans calcul de délai de carence. Donc, dès le 1er jour de l'arrêt, le salarié concerné va avoir droit à l'indemnisation conventionnelle. Cette indemnisation va se calculer sous déduction des IJSS et aussi des IJ de prévoyance, mais à 50% de la part qui correspond au financement de l'employeur. En ce qui concerne ces indemnités journalières sécurité sociale et les prestations de régime de prévoyance, on va les retenir pour leur montant brut. Sur ce slide, vous voyez le tableau d'indemnisation conventionnelle pour la métallurgie, ingénieurs et cadres. Vous avez des dispositions générales et des dispositions particulières au département du Haut-Rhin qui sont plus favorables puisque même en dessous de 3 mois d'ancienneté, on a déjà 6 semaines d'indemnisation à 100%. Ensuite, en ce qui concerne les dispositions générales, des 3 mois d'ancienneté, pour un accident du travail, on a 3 mois d'indemnisation à 100%. Donc, c'est beaucoup plus que l'indemnisation légale qui s'ouvre à partir de 1 an d'ancienneté et qui n'indemnise que pour ce jeu, à partir de 1 an d'ancienneté pendant une durée de 30 jours. Et ensuite, ainsi de suite, on voit à chaque tranche d'ancienneté, les droits deviennent de plus en plus favorables. Alors, comment la solution Nibelis répond à ces problématiques? Eh bien, c'est très simple. Ça va vous permettre d'indemniser les arrêts maladie conformément aux dispositions de 2 manières. La première, c'est que le paramétrage et la mise à jour de toutes ces tables que Muriel vient de vous présenter, eh bien, c'est réalisé par Nibelis. C'est garanti par Nibelis puisqu'on s'engage contractuellement à la justesse de vos payes et donc vous n'avez pas à mettre à jour ces différents tableaux. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir la catégorisation de vos salariés par rapport aux informations qui sont dans leur fiche salariée dans la solution, ce qui va permettre d'interroger les différents tableaux et donc de gérer la prise en compte des différents critères pour simplifier le versement des indemnités. Pour vous, c'est en toute transparence. Il n'y a qu'à déclarer la maladie du salarié et ensuite, les taux d'indemnisation, les valeurs d'indemnisation viendront s'appliquer automatiquement. On vous a mis en lien avec cela une citation du DRH de notre client Crestal qui explique la simplicité. Alors, je ne vais pas le lire entièrement, hein, mais on parle notamment de la gestion des IJSS, puisqu'il faut savoir que dans la solution, on ne l'a pas mis en bullet point, mais vous avez également un tableau, un état automatique de rapprochement des IJSS qui vous permet de visualiser pour chaque collaborateur, dans le cadre de la subrogation, les montants que vous avez versés dans la paye et les montants que vous avez récupérés auprès des différentes caisses. Ce qui vous permet en un coup d'œil de visualiser certains écarts et de pouvoir aller réclamer les sommes manquantes aux différents organismes. Maintenant, je vais vous parler des congés pour ancienneté. Donc, les congés pour ancienneté, c'est une création conventionnelle, hein, il n'existe pas dans le Code du travail. Le Code du travail, il se limite à fixer des congés payés annuels à hauteur de 30 jours ouvrables par an ou 25 jours ouvrés pour une personne qui est présente toute l'année. En ce qui concerne donc ces congés pour ancienneté conventionnelle, dans le domaine de la métallurgie, ingénieurs et cadres, ces congés sont attribués en fonction de deux critères, le premier lié à l'âge et le second lié à l'ancienneté. Ainsi, par exemple, pour un cadre qui est âgé de 30 ans et qui a un an d'ancienneté, il va y avoir 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui vont s'ajouter aux congés payés annuels. Lorsque le cadre est âgé de 35 ans au moins et a 2 ans d'ancienneté, il acquiert 3 jours supplémentaires de congé pour ancienneté. Dans le secteur de la métallurgie région parisienne, là, les congés pour ancienneté sont attribués uniquement en fonction de l'ancienneté. Et pour un salarié qui a 10 ans d'ancienneté, il va y avoir 1 jour de supplémentaire au titre du congé d'ancienneté. À partir de 15 ans d'ancienneté, ce sera 2 jours et après 20 ans d'ancienneté, ce sera 3 jours. Dans la solution Nibelis, on va vous permettre d'optimiser l'indemnisation des congés payés avec des compteurs fiables et à jour. Plus besoin de réaliser les calculs vous-même. Cela, ça va se faire de deux manières. La première, c'est qu'on va définir le montant brut CP qui conditionne l'indemnité des congés payés. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui est paramétré, mis à jour par Nibelis et qui se fait donc de manière automatique pour vous. Et le deuxième élément, c'est qu'on va permettre le calcul également automatique du droit aux congés supplémentaires liés à l'ancienneté. Vous voyez sur la photo qu'il y a une capture d'écran d'une fiche salariée sur la partie compteur d'absence et congés. Et on voit que le calcul automatique conventionnel de l'acquisition, là, on a sélectionné « Appliquer le paramétrage société ». Dans le cadre où vous auriez des fonctionnements différents sur vos établissements, on aurait sélectionné de calculer automatiquement le montant lié à l'établissement. Tous les calculs derrière, c'est une base qui est mise à jour par Nibelis. Et vous, vous avez simplement à indiquer à quel niveau juridique, vous voulez que les calculs s'effectuent dans la solution. Encore une fois, le but, c'est d'optimiser et de fiabiliser vos payes et vos compteurs. Alors, s'agissant de la prime d'ancienneté, comme le congé d'ancienneté, c'est une création conventionnelle, donc le Code du travail ne prévoit pas l'attribution d'une prime en fonction de l'ancienneté du salarié. Alors, dans les accords nationaux de la métallurgie, en revanche, il y a une prime d'ancienneté qui va pouvoir se déclencher, mais uniquement pour les ouvriers et à partir de 3 ans de présence. Donc, la base de calcul de ces primes d'ancienneté, elles sont souvent, c'est souvent la rémunération minimale hiérarchique et le taux de la prime, c'est un pourcentage qui est fixé en fonction des années d'ancienneté du salarié, par exemple 5% pour 5 ans, 10% pour 10 ans, etc. Dans le domaine de la métallurgie région parisienne, la prime, elle est de 3% après 3 ans et ensuite, on ajoute 1% par période d'un an pour jusqu'à un maximum de 15% après 15 ans. Donc, ça se calcule toujours à partir de la rémunération minimale hiérarchique dans la métallurgie région parisienne. Et le montant de la prime, il va pouvoir varier en fonction de l'horaire du salarié. Et également, cette prime va supporter les majorations qui peuvent être calculées pour des heures supplémentaires effectuées par le salarié. Et dernière chose sur cette prime d'ancienneté, il faut bien qu'elle figure à part sur le bulletin de paye pour qu'elle soit bien identifiée. Alors, comment on va vous permettre d'automatiser le calcul de la prime d'ancienneté, pardon, bien de différentes manières. La première, c'est, encore une fois, on revient sur un principe de catégorisation de vos populations, ce qui permet ensuite un traitement spécifique de chacune d'entre elles, et notamment sur les établissements. Muriel vient de parler du fait que la prime d'ancienneté ne fonctionne pas pareil en Ile-de-France ou dans d'autres régions, et ça sera par l'établissement qui est indiqué dans la fiche de votre salarié. Donc tout ça, c'est transparent, il n'y a aucun calcul, aucun tri à faire de votre côté. La deuxième, c'est le versement automatique de la prime d'ancienneté aux ouvriers qui remplissent les conditions. Et donc, en fonction de la condition d'ancienneté, de la condition de localisation, la solution Nibelis va permettre le déclenchement automatique de cette prime. Et enfin, le troisième point, eh bien, c'est l'évolution automatique de cette prime. On a parlé de 5% au bout de 5 ans. Si demain, la convention collective venait à dire que c'est 6% au bout de 5 ans, eh bien pour vous, il n'y aurait aucune modification à effectuer puisque c'est de notre côté qu'on viendrait changer la rubrique pour dire que ces 5% sont devenus 6%. On est toujours sur ce principe d'une solution modélisée de l'ensemble du légal et du conventionnel sans aucune action nécessaire de votre part. En ce qui concerne le travail de nuit, donc le Code du travail prévoit une définition du travail de nuit qui se base sur différents critères. Et il y a eu la loi travail du 8 août 2016 qui avait prévu des dispositions d'ordre public et d'autres dispositions qui sont ouvertes au champ de la négociation collective. Donc, selon le Code du travail, la période de travail de nuit va de 21h à 6h du matin, sauf accord collectif contraire ou si l'employeur a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail pour déterminer une période de travail de nuit différente. Le travail de nuit, il est toujours mis en place par un accord collectif qui peut être d'entreprise, d'établissement ou il peut être également mis en place dans une convention de branche. Donc, un salarié va être considéré au sens du Code du travail comme travailleur de nuit s'il accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit selon son horaire de travail habituel. Également, s'il accomplit 270 heures de travail de nuit entre 21h et minuit pendant une période de 12 mois consécutifs. Donc ça, ça va s'appliquer à défaut de précision dans la convention, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une autre durée minimum qui peut être fixée par la convention de branche ou un accord collectif de travail. La personne qui est reconnue travailleur de nuit va bénéficier de contreparties. Alors, d'une part, des contreparties en priorité sous forme de repos compensateur et ensuite, le cas échéant, il peut y avoir également une compensation salariale. Dans le domaine de la convention collective métallurgie, accords nationaux, pardon, il est prévu qu'est considéré travailleur de nuit le salarié qui travaille entre 21h et 6h du matin, au moins 3 heures, au moins 2 fois par semaine ou au moins 320 heures par an. Donc là, on voit que par rapport au Code du travail, le seuil n'est pas de 270 heures, mais de 320 heures. Cette convention collective prévoit 2 types de majoration. La majoration pécuniaire, qui est une majoration de 15% du salaire minimum conventionnel lorsque le salarié va travailler au moins 6 heures de travail de nuit. Et il y a également une compensation en termes de réduction du temps de travail avec 20 minutes de réduction d'horaire par semaine pour le travailleur de nuit. Alors, comment fiabiliser les compensations qui sont appliquées en cas de travail de nuit? Encore une fois, plusieurs éléments de réponse. La première, c'est la prise en charge des contreparties octroyées de manière automatique pour le travail de nuit, que ce soit la réduction horaire ou la majoration de salaire. Encore une fois, on va avoir modélisé le légal et le conventionnel. Il faut savoir que cette modélisation, ça nous permet aussi de passer beaucoup de temps sur vos spécificités si vous en avez et si vous indemnisez de manière plus intéressante. C'est des choses où on va le paramétrer dans votre réglementaire et tout ça se déclenchera automatiquement par la suite. La mise à jour des différents taux d'indemnisation est encore une fois fait par Nibelis, mis à jour par nos équipes. Et enfin, le troisième point, c'est les avantages d'un SIRH unifié. On a parlé des différents logiciels tout à l'heure et dans l'environnement Nibelis, on a notamment le logiciel Présence qui permet la collecte du temps de travail et qui va vous permettre, si vous le souhaitez, si vous souhaitez le mettre en place, de standardiser et de sécuriser le temps de travail de vos collaborateurs, notamment sur des sites de production, en créant des journées types, des semaines types, et qui permettent d'aller automatiquement, en fonction des pointages, qu'ils soient physiques ou virtuels, des collaborateurs, savoir à quel moment ils ont effectué des heures supplémentaires et de manière très fiable. Voilà, ça permet une efficacité, une fluidité dans l'organisation. Et à ce sujet, vous voyez notamment un témoignage de notre clients ASEC et de leur DRH que je vous laisserai lire également. Alors, en ce qui concerne les congés pour enfants malades, ils sont prévus dans le Code du travail et ils vont permettre aux salariés de s'absenter pour s'occuper de son enfant qui est malade ou accidenté. Donc, il faut que ce soit un enfant de moins de 16 ans et un enfant dont il a la charge. C'est un congé non rémunéré et non assimilé à du temps de travail effectif qui est de 3 jours par an et dont tous les salariés vont pouvoir bénéficier quelle que soit leur ancienneté. Il faut simplement présenter un justificatif, donc un certificat médical à son employeur. Ce congé de 3 jours, il est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Au niveau conventionnel, dans la métallurgie, on a d'une part la convention collective de la métallurgie ingénieur et cadre qui prévoit qu'en cas d'enfant malade de moins de 12 ans, le salarié aura droit à 4 jours par an, mais là, ils seront rémunérés à 50% à partir de 1 an d'ancienneté. Il y a aussi une possibilité d'obtenir une autorisation d'absence de 8 mois maximum, mais celle-là, elle n'est pas rémunérée lorsqu'on a un enfant qui est gravement malade. En ce qui concerne les non-cadres, donc d'autre part, il existe des dispositions spécifiques dans les conventions territoriales. Par exemple, dans la région parisienne, il est également prévu 4 jours par an rémunérés à 50% à partir d'1 an d'ancienneté en cas d'enfant malade âgé de moins de 12 ans. Et dans l'Indre aussi, on trouve ce congé de 4 jours par an rémunéré à 50% après 1 an d'ancienneté pour un enfant de moins de 12 ans. Pour indemniser justement les congés payés pour enfants malades, on va avoir plusieurs possibilités. La première, c'est évidemment, encore une fois, vous allez me dire, le calcul automatique du droit au congé pour enfants malades. C'est une chose qui va se faire automatiquement à partir des informations de la fiche salariée et notamment des enfants à charge. Vous allez avoir, et là vous voyez une capture d'écran de notre logiciel absence sur le slide, la possibilité pour le salarié de sélectionner ce motif d'absence dans son calendrier. Il faut savoir que nous, on intègre l'ensemble des motifs d'absence légaux, mais qu'on va pouvoir, et là je fais une parenthèse au-delà de tout ça, aussi personnaliser et paramétrer des motifs d'absence qui vous sont propres. Si vous accordez une journée de bénévolat aux collaborateurs, on pourra l'avoir comme motif d'absence. On va avoir la possibilité sur ce motif d'absence d'ajouter un commentaire et un document, puisqu'il faut dans ce cas-là fournir un certificat médical. Et enfin, au-delà de cette gestion et de cette demande d'absence qui sera automatiquement traitée, on a la possibilité, encore une fois, dans le cadre d'un SIRH unifié, d'avoir un portail RH qui est dédié, c'est le logiciel données personnelles dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre à chaque salarié de mettre à jour ses informations administratives, dont notamment le nombre d'enfants à charge. La personne va pouvoir se connecter et directement indiquer qu'il y a eu une naissance et que donc il n'y a plus 1, mais 2 enfants à charge. N'ayez pas peur, ces éléments ne passent pas automatiquement en paye. C'est une alerte qui est envoyée aux gestionnaires dans votre société, au profil expert, pour que vous puissiez prendre connaissance de cette modification administrative et la valider, si elle vous paraît fondée, avant le passage en paye de l'information. Évidemment, vous pouvez très bien refuser des demandes si elles ne sont pas justifiées ou si elles sont fausses. Pour synthétiser sur les bénéfices concrets et mesurables de la solution Nibelis dans le cadre de vos conventions, c'est des mots que j'ai beaucoup répétés. La fiabilité, on va vous garantir la fiabilité et la conformité de vos payes et de vos données sociales. Encore une fois, Nibelis, on a noir sur blanc un engagement contractuel de résultat pour vous garantir la justesse de vos payes. Le deuxième point, c'est la productivité. Vous voyez, on a parlé de beaucoup d'automatismes qui sont paramétrés automatiquement, qui sont mis à jour automatiquement. Et ça, pour vous, ça représente quoi? Ben, ça représente des gains de temps. Et ces gains de temps, c'est aussi forcément des gains financiers tangibles puisque c'est du temps que vous allez pouvoir passer à d'autres activités. Et enfin, l'objectif de tout ça, de la fiabilité, de la productivité, eh bien, c'est d'améliorer l'efficacité des organisations en optimisant votre organisation, en optimisant vos tâches, vous permettant de passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur de la saisie, et puis de fluidifier les processus dans votre organisation et la communication. Et vous retrouvez ici, j'ai parlé d'eux tout à l'heure, une citation, enfin une référence du responsable d'administration de personnel chez Acrelec, voilà, qui parle de l'évolutivité de la solution Nibelis et des différentes possibilités que le SIRH à la carte vous offre. Merci à toutes et à tous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci de nous avoir écoutés. On espère avec Muriel que ce webinaire a été parfaitement clair et s'il ne l'est pas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser vos questions. Vous aurez l'occasion également de recevoir la communication sur nos prochains webinaires. Vous allez recevoir la présentation PowerPoint ainsi qu'un replay de ce webinaire si vous voulez notamment le faire écouter à d'autres personnes dans votre entreprise. Merci beaucoup à toutes Bonne journée et à bientôt.